Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Road to Marcelo Tutti. Donc je vous rappelle, dans le dernier épisode, on était arrivé à 28 000 crédits avec seulement de la tech bronze. Dans cet épisode, on va entamer une nouvelle technique. Donc cette technique, c'est la tech fuite millionnaire. Je vous ai mis dans la description ma vidéo explicative sur la tech fuite millionnaire, donc n'hésitez pas à aller checker la description. Avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, dès le début de la vidéo, je suis à 25 000 crédits, tout simplement parce que mes premiers investissements en tech fuite millionnaire, bah j'ai pas eu le gameplay en fait, mais c'est juste les premiers investissements. Donc il m'a manqué deux gameplays, les deux premiers, je les ai perdus, je sais pas où je les ai mis. Donc voilà, vous voyez que j'ai investi sur du Bellarabi, du Ressé, du Benassia et du Buffon pour le moment. Donc là, j'ai réinvesti en Tech Avion Plus. Donc ces joueurs-là, je vais les rebaisser après parce qu'il y avait des packs et c'était on devait attendre pour que ça se vende et moi, j'avais vraiment pas le temps. Donc à Piqué que j'ai mis à 6100, Oscar acheté 3700, revendu 5400. Donc je vais bientôt faire une vidéo explicative sur la Tech Avion Plus. Donc voilà, je sais, je vais pas en mettre, je vais pas mettre la vidéo dans la description, quoique peut-être qu'elle sera déjà sortie avant, avant cette vidéo. Donc voilà, le Jackson Martinez que je mets à 6002. Ensuite, j'ai investi sur du Isco en tech Avion Plus également, que j'ai acheté 4008 et que je vais remettre à 6005. Ensuite, j'ai investi sur du Nainggolan acheté 3007, revendu 5004. On arrive à 8 ventes, on a vendu du Ressé en tech fuite millionnaire. Donc voilà, et des formes équipes de la tech bronze. Je fais toujours un peu de tech bronze à côté de la tech fuite millionnaire. On a Martinez acheté je sais plus combien et je revends, je sais plus combien. En tout cas, il avait un style ombre. Ensuite, du Varane acheté 3007, revendu 4004. Du Kyle acheté 2005, revendu à 3002. Donc voilà, les gars, on mettait toujours 600 à 700 crédits plus cher avec un style et pas mal de contrats et de la forme aussi. Ça part bien. Donc je vous ai mis une liste de joueurs hein, dans la description, n'hésitez pas à aller checker. Ensuite on a du Kedira acheté 1500, remis à 2100. Du Luis Gustavo qui marche très très bien, acheté 1500, revendu 2100. Pour l'instant je mets 600 crédits plus cher pour que ça parte vite et qu'on fasse des bénéfices très rapidement. Même si on n'en fait pas beaucoup, faut les accumuler très rapidement pour bien monter. Ensuite on a mis un peu de rentée fut millionnaire. On a du Candreva acheté à 1600, revendu à 2200. Et ensuite du Levin Kurzawa acheté à 2100, revendu à 2900. On arrive à 55 ventes. Donc j'ai relisté pas mal de fois. Hein. On a vendu du Kyle, pas mal de bronze. On a vendu du Pedro en tech fuite millionnaire. On a vendu encore des bronzes. On a vendu le Luis Gustavo, le Martinez et l'Anthony Martial avec du Kedira, du Buffon, du Bellarabi, du Jackson Martinez, du Isco et du Benassia. Donc Jackson Martinez et Isco, je les ai baissés hein, parce que je vous ai dit, hein, ça partirait pas vite sinon. Ensuite, on a du Kevin Trapp investi en tech fuite millionnaire. Donc Kevin Trapp, c'est la valeur rare, c'est la valeur sûre, pardon. Clairement, ça part très très bien. Ensuite, Bellarabi acheté pour 2004, revendu pour 3000. J'ai réinvesti sur un Martinez, j'ai acheté 1900, revendu 2500. J'ai acheté un Ruffier, acheté à 1100, revendu à 1800. Ruffier aussi, ça marche très 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 bien. Ensuite, j'ai réinvesti sur un Martial, acheté 1800, revendu 2500. J'ai investi également sur du Bolasi qui marche extrêmement bien. Franchement, Bolasi, ça marche super bien en AVG, en changement de poste, hein, ça marche très bien. Et j'ai investi aussi sur du Jérémy Mathieu, acheté à 1800, revendu à 2500. On arrive à 24 ventes et à 22 000 crédits. On vend vraiment pas mal de bronze, hein, ça nous fait vraiment pas mal de petits bénéfices à côté. Donc on a vendu du Varane, du Bolasi, je vous ai dit, et du Matic, que bah, son prix à Matic, je l'ai rebaissé parce que clairement ça aurait pris beaucoup de temps après. Donc voilà, là je vous montre un petit peu hein, ce qu'il y a pour le moment sur ma pile. Donc voilà, Piqué que j'ai rebaissé. Et donc voilà, après je reliste. On a réinvesti encore sur de la tech fuite millionnaire. Gary Kaïl acheté 2600, revendu 3300. El Charaoui qui marche extrêmement bien aussi. El Charaoui acheté 3800, revendu 4500. Après on a du Rojo aussi qui marche très très bien. Acheté 2000, revendu 2600. Pastore. Pastore, regardez. Les Pastore, franchement, quand vous cherchez dans le marché, il y en a avec vraiment pas mal de contrats et avec un style. Donc ça marche très très bien. Les Pastore. Ensuite, du Ntep et du Chourleu. Acheté 3100 et revendu à 3900.
Non, 3800, pardon. On arrive à 13 ventes et à 3000 crédits. On a vendu du Martinez. Voilà, ça marche super bien. Vous avez vu Martinez. Ça marche très très bien. Et donc voilà, après on a vendu des Take Bonds. On a réinvesti encore une fois en Take Suite Millionnaire. Du Lucas Moura a acheté 3100, revendu 3008. Encore du Martinez, acheté 1700, revendu 2300. Asfili Cueta, acheté 1800, revendu à 2400. Ensuite, du Carvajal, acheté à 2700 avec un style gardé, 60 contrats, revendu 3400. Et enfin, du Insigne, acheté à 2300, revendu à 2900. On arrive à 18 ventes et à 10 000 crédits après plusieurs relistages. Donc, on a vendu Carvajal, Kurzawa, N'Golan que j'ai baissé. Ensuite, Pastore, voilà, je vous ai dit, ça marche très bien, Pastore. Kyle qui marche très très bien et Rojo. Donc voilà, on a réinvesti. Donc là, cette fois-ci, j'ai réinvesti sur de la textile. Donc la textile, je vais sortir une vidéo aussi bientôt explicative. Donc c'est simple, hein, vous allez sur le marché, vous mettez prix achat immédiat 850, vous mettez or et vous mettez tous les styles, vous faites défiler les styles et vous prenez ceux, les joueurs intéressants avec pas mal de contrats et pas mal de formes. Donc là, j'ai investi sur du Sergio Roberto et sur du Mbolo. Donc voilà, on réinvestit encore en Take Suite Millionnaire, hein, comme vous avez pu voir, avec du Bolasie acheté 2900, revendu 3600, Carvajal acheté 2700, revendu à 3400, et on a réinvesti aussi en Take pas en Take Suite Millionnaire, en Take Style sur du Lalana, revendu à 1000 crédits, enfin à 900 crédits, il est parti aux enchères. J'ai vendu du Asfili Cueta et du Chourleu en Take Suite Millionnaire. Donc on a réinvesti en Take Suite Millionnaire sur du Luke Grémy acheté 2400, revendu à 3100. Donc j'ai une technique, hein, aussi sur les Take Suite Millionnaire. Si vous savez pas trop sur quel joueur investir, vous allez sur Futbin et vous regardez tous les joueurs or qui sont en baisse. Les joueurs bien évidemment dans la liste. Ceux qui sont en baisse, bah vous investissez dessus. Peut-être pas que ça partira maintenant, mais ça partira en tout cas quand ils remonteront tout simplement. Donc on a investi sur du Laporte et là on investit sur du Aurier qu'on met à 2004. On a investi sur un Ramsey qu'on a remis à 2003, enfin je sais plus. Bon, Balotelli que j'ai mis à 1900 et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. On arrive à 80 000 crédits avec du Balotelli, du Candreva, du Martial, du Ramsey, du Ntep vendu. Du Martinez qui marche énormément bien. Vous avez vu dans la vidéo Bolasi aussi, Benassia, Trapp, Carvajal. Donc voilà, on aura fait vraiment pas mal de bénéfices. Rémi qui est parti, Trapp, Luis Gustavo et Ruffier. Donc j'ai réussi vraiment pas mal de fois, hein, pour que ça parte et pour clore l'épisode. Donc voilà, j'ai vendu Oscar que j'ai baissé, Insigne qui est parti, Bellarabi en fut millionnaire, Mbolo qui est parti en textile, Laporte qui est parti en tech fut millionnaire, Mertens qui est parti en fut millionnaire, Asfili Cueta, Aurier et Lucas Moura qui sont partis en tech fut millionnaire. Et enfin, on a du Jérémy Mathieu qui est parti en tech fut millionnaire. Et je crois que c'est tout. Non, on a du Roberto aussi qui est parti en textile. Et du Charoui en tech fut millionnaire. Et avec tout ça, voilà, pour se faire pas mal de bénéfices. Enfin, pas mal, quelques bénéfices à côté. On a vendu énormément de tech bronze. Donc voilà les gars, dans cette vidéo, on sera passé de 28 000 à 80 000 crédits. On aura fait 52 000 crédits de bénéfices, c'est pas mal pour un début. Donc on se retrouve dans une semaine et demie, voire deux semaines, pour le prochain épisode de la série Road to Marcelo Totti. J'espère que le deuxième épisode de la série vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit like si c'est le cas. Sinon moi je vous dis à la prochaine les gars pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, ciao.